Moins de 4 ans après la visite du pape Jean-Paul II à Kigali, de nombreux Rwandais se souviendront de ces mots, improvisés à la fin de son discours, lorsqu'ils apprendront la mort du couple Cyprien et d'Afrose Rugamba. Cyprien, intellectuel et poète renommé, s'était converti à la foi chrétienne grâce à la prière de sa femme d'Afrose quelques années plus tôt, et le rayonnement de charité et de paix de ce couple était connu de tous. Le matin du 7 avril 1994, aux premières heures de l'abominable génocide qui ravagea le Rwanda, Cyprien, d'Afrose ainsi que 6 de leurs 10 enfants étaient tués chez eux après avoir passé la nuit en prière. Ici, nous sommes chez Cyprien d'Afrose Rugamba, une maison qu'ils ont habité depuis 1989 jusqu'à 1994. Quand je viens ici, c'est comme si je venais à la maison. Je venais rencontrer mes parents, mais aussi, je dirais, une certaine nostalgie de ne pas les avoir directement. Je sens leur présence, mais combien j'aimerais les toucher. François-Xavier Ngarambe est le responsable de la communauté de l'Emmanuel, que Cyprien et d'Afrose ont fondé au Rwanda. Il revient parfois dans cette maison où la famille vécut ces dernières heures. Ici, c'est la chapelle. C'était le garage qui a été transformé en chapelle. Il y avait, c'est le plus important dans une chapelle, c'est le tabernacle, donc qui était là. Et donc c'est ici, dans la louange, on voyait Cyprien et d'Afrose danser. C'est dans cette chapelle que la famille a passé sa dernière nuit en prière, avant d'être tuée le 7 avril au matin. Ce jour-là, 3 de leurs 10 enfants étaient absents et un quatrième, prénommé Sirdar, a survécu au massacre. C'est son récit, raconté à ses frères, qui permet de connaître les derniers instants que vécut la famille. D'après ce que Sirdar nous a dit, les militaires, quand ils sont venus, il y avait papa, maman, 6 frères et sœurs, une fille de mon cousin Zitoni qui avait passé la nuit chez nous et une autre fille qui travaillait à la maison. Ça fait 10. Donc ils étaient en prière, ils ont passé la nuit précédant leur mort en prière. On le sait surtout par un frère qui a pu les avoir au téléphone le matin. Moi, je n'ai jamais pu les joindre. Quand les tueurs sont arrivés, c'était dans les premiers à être visés, c'était bien prévu. Ils ont senti que c'était les derniers moments, alors d'Afrose a demandé d'aller prier, devant une dernière fois d'aller saluer le Saint-Sacrement. Et là, un soldat l'a frappé avec la crosse de son fusil, et probablement comme ça, tac, lui a classé la clavicule. Et puis le militaire est allé tirer dans le tabernacle. Même quand je suis rentré, les traces étaient toujours visibles, traces de balles. Et alors, ils ont pris tous les hosties, ils ont jeté par terre, un peu partout. Ce qui manifeste quand même une haine de la foi, et ils ont été installés dans leur jardin en 2 rangs, et on les a assassinés comme ça. On les a fusillés tous, même les petits, même la plus petite qui avait peut-être 4 ans, 6, 5 ans. Et puis quand mon petit frère, celui qui a vu les gens tomber, mais il a reçu une balle à l'épaule, il est tombé, et puis il a pris un peu de son sang. Il a mis sur son front. Et quand les militaires sont venus vérifier si tout le monde était mort, lui aussi il a fait le mort. Quand ils sont partis, il s'est relevé, il a dit aux autres, relevez-vous, ils sont partis. Parce qu'il croyait que les autres avaient fait comme lui. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était seul, le seul survivant. Et puis il nous a appelés. Leur mort ne m'a pas surpris, parce que dans ces,
c'était le porte-parole des marginalisés. Donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait été sur la liste des premières personnes à être éliminées. Tuer Cyprien Lugamba, c'était couper le cordon ombilical qui unifiait les Rwandais. Dans sa culture et même dans sa personne, on voit que c'est une personne d'unité, une personne de relation, de fraternité, de communion. Alors, tuer Cyprien, c'était tuer cette unité, tuer cette fraternité. Sa prise de position était révolutionnaire, un peu comme celle de Jésus. Donc, ça ne pouvait que lui apporter du mal pendant des moments pareils. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pour moi, il ne pouvait. Pour moi, c'était pas possible qu'il puisse mourir, qu'il puisse être tué, et que le Seigneur puisse nous les laisser partir. Et puis, je me suis dit, c'est certainement, on va tous mourir, quoi. Je savais même pas que aujourd'hui, je serais en train de vous raconter, parce que je me disais, s'ils sont partis, c'est que c'est le moment de partir pour tout le monde. Mon regret, c'est que le Rwanda n'ait pas eu un peu plus de personnes comme M. Lugamba. S'il y avait eu ne fût-ce que 4 ou 5 personnes comme lui, le drame que nous avons connu n'aurait pas eu lieu et le monde aurait changé. Si la famille Lugamba fut parmi les premières victimes du génocide, c'est plus de 800 000 Rwandais qui allaient être massacrés durant les 3 mois suivants, dans une explosion de haine contre laquelle Cyprien Lugamba passa toute sa vie à lutter. D'abord par ses poèmes et ses chants, connus de tous les Rwandais, puis par les armes de la foi, après la spectaculaire conversion qui bouleversa sa vie au début des années 80, fruit de la prière inlassable de sa femme. Alors, qui était ce couple à l'histoire étonnante, dont le procès en canonisation a été ouvert par l'Église catholique ? Longtemps, la beauté de ce pays m'est restée inconnue. Ça l'aideur également. Dorcy Lugamba est l'un des 4 enfants de Cyprien et d'Afrose encore en vie. Aujourd'hui auteur et metteur en scène de théâtre, il conserve précieusement les rares photos qui ont échappé au pillage de la maison familiale. Après le génocide, quand je suis retourné à la maison, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus, rien. On n'avait plus de mémoire, on n'avait plus de photos. Heureusement, nous avions pas mal d'amis qui nous ont envoyé des photos. Et donc, nous sommes devenus collectionneurs de toutes ces photos-là. Et ça, c'est la plus ancienne, qui date de 1963. C'est une photo de ma mère. Elle était encore jeune fille, elle n'avait pas encore épousé mon père aussi. Elle a grandi dans une famille très chrétienne. Son père, si je ne m'abuse, a été catéchiste. Si la foi chrétienne et la prière ont une place centrale dans la famille de Dafrose, la famille de Cyprien pratique les cultes traditionnels rwandais. Originaire de la même région, au sud du pays, les deux familles se connaissent et c'est le père de Dafrose qui va préparer la famille de Cyprien au baptême qu'ils demanderont sur le tard. En 1954, Cyprien, élève intelligent, passionné de culture et de poésie, est envoyé pour étudier au grand séminaire, sans vraie motivation spirituelle. Ça, c'est une photo de Cyprien, de Lugamba, qui est au grand séminaire de Nyakibanda. Je le vois en soutane de séminariste. La mère de Lugamba, qui n'était pas d'accord pour qu'il devienne prêtre, se moquait de lui à chaque fois qu'il le voyait. Il disait « Ah, mademoiselle !» Je n'ai jamais remarqué en Cyprien un type qui peut devenir exemplaire dans la spiritualité. Il était plutôt socialement abordable, causait la joie autour de lui. Au grand séminaire, Cyprien va développer ses talents de poésie et il fera partie d'un cercle culturel appelé Cercle Saint-Paul. Donc il a laissé des traces ici comme un homme vraiment qui aime la littérature. Il a beaucoup écrit dans les revues d'ici. Durant le cycle de philosophie, il apprend les philosophes existentialistes et matérialistes qui niaient l'existence de Dieu. Et les jeunes, nous jeunes, on avait beaucoup de peine à
croire à la foi plus qu'à la raison. Je vous dis que ça a été vraiment un passage très difficile pour nous. C'est alors que beaucoup de gens ont eu des crises. Et je peux classer Rugamba parmi ceux-là. Il s'éloigne de la foi petit à petit. Et comme il le dit lui-même, il voulait mettre Dieu dans sa tête, le comprendre, le saisir, mais Dieu lui échappait. Il a quitté le séminaire à l'époque des années 59. Et aussi sous l'influence de la société rwandaise qui commençait à bouger. C'est-à-dire que toute l'Afrique était dans une phase aussi de décolonisation. Les lettrés commençaient à remettre totalement en question aussi une éducation qu'ils avaient reçue. Cyprien part étudier l'histoire au Burundi, puis en Belgique. Séducteur et grand danseur de twist, il se passionne pour la poésie et devient rapidement un poète très connu au Rwanda. C'est Rugamba, à un moment donné, qui a écrit probablement le plus beau poème romantique de la langue rwandaise. C'est Rugamba amoureux, à un moment donné, d'une femme dont il était totalement épris, qui s'appelait Xavelina, qui est la cousine de ma mère. Mais qui va être tué en 1963 dans les massacres qui ont eu lieu dans cette contrée de Kianika. Et Cyprien a tenu à rester dans cette famille et l'a demandé la main de Daphros. C'est dans cette période-là, effectivement, 65, deux ans après, que le mariage de mes parents en fait a eu lieu. Mais qui était beaucoup plus, je pense, un mariage, une affaire entre familles, d'une certaine manière. N'eût été la culture, ces personnes-là ne se croisaient pas. Et c'est pour ça peut-être que la suite de l'évolution du couple Cyprien-Daphrose est assez surprenante, et totalement surprenante. Les premières années de ce mariage de tradition, marquées par une première fausse couche, sont douloureuses. Cyprien est hanté par le souvenir de sa première fiancée, défunte, et ne donne pas à Daphrose sa place d'épouse. Celle-ci, en proie à des jalousies familiales, est accusée de pratiques magiques envers son mari. La crise est telle que Cyprien décide de répudier Daphrose peu après la naissance de leur premier enfant qu'il garde avec lui. Un beau jour, sans lui donner d'explication, il la ramène en voiture, avec ses affaires, chez ses parents. Dans la culture rwandaise, c'est vraiment quelque chose de très grave. Une femme qui est répudiée, c'est une insulte grave à la famille de la femme. Une insulte et un malheur grave à la femme même qui est répudiée. Et Daphrose a tout, elle prenait tout, elle acceptait, elle ne se défendait pas. Mais, et puis, parce qu'elle ne comprenait pas. Dans son cœur, elle n'a jamais quitté son mari. Même répudiée, même dans sa famille, elle était toujours tournée vers lui parce que quand le moment est venu pour les réconcilier, elle a pardonné et elle est revenue chez elle. 8 mois après l'avoir répudiée, Cyprien, comprenant que Daphrose est innocente des pratiques dont on l'accuse, retourne la chercher. La famille se reconstitue, mais malgré la naissance de nombreux enfants, les années qui suivent seront tout aussi difficiles. Ensuite, il y a eu les tromperies, des relations extra-conjugales de la part de Cyprien. Il y a même eu un enfant en dehors du mariage. Tout ça était tout un lot de souffrances pour Daphrose. La souffrance de Daphrose est accrue par l'éloignement radical de son mari de la foi chrétienne au profit des pratiques rituelles traditionnelles. Je me rappelle qu'il y avait un petit frère qui s'appelait Serge. Et quand papa est venu voir maman qui avait mis au monde Serge, il a vu une crucifix dans la chambre. Il s'est empressé de prendre le crucifix et de le casser en deux. Il était furieux. Il ne supportait pas de voir ça. Et maman s'est mise à pleurer, il a prié. Donc. Il deviendra à un moment donné vraiment un athée farouche. C'était vraiment une partie très revendicative à ce moment-là
de Lugamba, qu'on retrouve dans sa chanson, qu'on retrouve dans sa poésie. Mais la foi de Daphrose ne faiblit pas. Avec l'accord de Cyprien, elle emmène ses enfants à la messe et prie avec eux tous les jours, sans se décourager. C'était une femme profondément chrétienne. Elle était toujours préoccupée par la conversion de son mari. Elle nous demandait toujours de prier pour son mari. Elle disait donc, aidez-moi à prier pour Cyprien. Elle était vraiment patiente. Et quand on priait aussi pour papa. Ou... Elle est restée fidèle au sacrement de mariage. Elle est restée fidèle à la foi. Et selon un témoin, elle passait des nuits entières à prier pour son mari, se mortifiant, portant des pierres dans ses mains, implorant le Seigneur pour que son mari revienne. Dans tout ce qu'elle lui a fait vivre son mari avant sa conversion, elle a beaucoup souffert, mais sa souffrance, elle a porté beaucoup de fruits parce qu'elle a su l'offrir. Sa souffrance a été une offrande qui lui a valu la conversion de son mari. La carrière de Cyprien, elle, atteint vite des sommets. Après plusieurs hautes fonctions, il est nommé directeur de l'Institut national de recherche scientifique à Boutaré, dans le sud du pays, et va pouvoir déployer sa passion pour la culture rwandaise. Rugamba Cyprien était un amoureux de la culture rwandaise. C'est un jeune qui avait été à la cour du roi, d'après ce qu'il m'a dit. Rugamba a été quelqu'un qui s'est trouvé au moment de la transition, qui a pu connaître les derniers dépositaires d'un Rwanda précolonial au moment où il disparaissait et qui s'en est imprégné beaucoup vraiment de la culture traditionnelle, qui la connaissait profondément dans une connaissance quasiment encyclopédique. Comme il avait beaucoup de dons artistiques, poétiques, musicales, tout ça, il a développé cela. Pour incarner le Rwanda, toujours dans la chanson, dans la poésie, de façon à parler à tout le monde. Quelque part, je dirais qu'il nous voyait beaucoup plus beau que nous nous étions vraiment. Rappeler à l'homme rwandais ce qu'il est profondément. S'il y a quelqu'un qui a développé la culture rwandaise autant, c'est Rugamba. Même ses chants, ces mélodies, tout ça, sont des mélodies typiquement rwandaises, sans mélange. Parmi ses nombreuses créations culturelles, Cyprien lance un ballet de danse traditionnelle rwandaise, dans lequel il voit une haute expression de la culture de son pays. À une époque où déjà, les divisions rongent le Rwanda, il mêle dans son ballet les trois ethnies du pays, Hutu, Tutsi et Twa, au service d'une culture commune. Il nous racontait, il disait, quand je prends les jeunes qui viennent, ils mélangent les Hutu, Tutsi, Twa. Et il nous disait, voilà, ils se complètent tellement bien. Il a su marier toutes ces richesses des Rwandais et les mettre au service de la culture. Et j'aimais beaucoup ça. Vraiment, ça nous parlait beaucoup. Et on se disait, voilà, au lieu de chercher les choses qui nous séparent, on devrait chercher plutôt les complémentarités. Voilà, ça c'est Rugamba. C'était un homme qui aimait sa nation, qui était fier d'être Rwandais et qui voulait que les jeunes reçoivent cet héritage. Avec le ballet Amasimbi Namakombe, Cyprien fera rayonner la culture rwandaise aux quatre coins du monde. Mais les divisions qui montent, déchirant son pays chaque jour un peu plus, l'inquiètent et le bouleversent. En 1981, il écrit une chanson décrivant de terribles visions. Notamment, il voit des torrents de sang qui se déversent sur le pays depuis le nord jusqu'au sud. Et que les responsables, plutôt que de s'interposer, d'arrêter les tueries, plutôt encouragerait les gens à tuer.
L'année qui a suivi, Lugambo est entré vraiment dans la maladie, qui n'était d'ailleurs pas une maladie claire pour nous, qui a duré plus d'une année. Vous n'avez plus d'appétit, ne savait plus se nourrir correctement, avait perdu le toucher, n'écoutait plus bien, n'avait perdu l'ouïe, et puis tout ira jusqu'à ce qu'il perde tous les sens, jusqu'à à la vue. Et normalement, il passait sa journée dans un transat qui était sur la terrasse de notre maison à l'époque. Les gens disaient qu'il était fou, parce que quand les gens allaient le voir, ils ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient pas chanter. Et Cyprien me disait, le Seigneur avait, en fait, il a touché à tout ce qui faisait ma gloire, c'est-à-dire, il dansait, donc là, il ne pouvait plus bouger. Il chantait, il ne pouvait plus parler, parce qu'il disait, voilà, le Seigneur avait touché mes cordes vocales pour que justement, il soit humble. Il a quitté son piédestal, parce qu'il faut dire que, quand même, sa notoriété, c'était un homme très, 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 très fier, très, très hautain, même à un moment donné. Et je crois que par rapport même à sa propre vie, il était arrivé à une forme de goulot d'étranglement, d'essoufflement sans doute aussi. Et que quelque chose devait se dénouer d'une certaine manière, parce que c'est à ce moment-là, avec l'année 1982, que vraiment Cyprien Dafros se sont retrouvés. Et pendant cette période, parce que justement, Dafros était chrétienne, elle priait, elle soignait son mari. Voyant comment il avait fait souffrir sa femme, il dit, je lui ai fait du mal, elle me fait du bien. Malgré tout ce que je lui ai fait, elle ne m'a pas quittée pendant que j'étais malade. Au contraire, elle a pris soin de moi. Là, son Dieu sera mon Dieu. C'est la première étape d'une conversion spectaculaire qui va faire basculer la vie de Cyprien et d'Afrose. La deuxième étape a lieu dans l'avion qui emmène Cyprien en Belgique pour être soigné de sa mystérieuse maladie. Une fois dans l'avion, il a senti une force monter en lui. Il s'est mieux senti. Il a dit, moi je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois, je sens quelque chose qui change en moi. Ils ont passé quelques jours en Belgique, ils sont rentrés, mais il était tout autre. Et puis, la conversion est venue juste après. Cette dernière étape, Cyprien la raconte lui-même dans une interview sur le porche de leur maison quelques années plus tard. C'est assez curieux à dire, mais c'était à travers une chanson. Une chanson que je composais moi-même. Qui me venait comme une inspiration. Et je sentais que j'étais en quelque sorte envahi par le Seigneur. Et pour la première fois, depuis que je compose les chansons, je me suis mis à le chanter. Je me suis mis à le reconnaître comme le roi suprême qui devait m'accueillir dans son ciel. Et à partir de ce moment, le Seigneur n'a cessé de m'éclairer et de m'attirer. Et c'est comme ça que c'est parti. Vous pouvez la chanter, cette chanson? Non. Je suis malheureusement arrimé. C'est une chanson qui s'appelle « Moulaye Winhore » où il parle de sa mort. Il dit « Si je meurs, je ne veux surtout pas avoir de larmes dans les rangs. Je veux que vous chantiez, que vous dansiez. Parce que moi, je veux entrer dans le ciel, retrouver le Dieu suprême, et je rentrerai en dansant pour répondre à son appel. » Tout le monde disait, Cyprien est devenu un autre homme. On ne le connaît plus. C'est vraiment un bouleversement de vie. Il a changé, il a arrêté déjà la tradition rwandaise. Quand je dis la tradition, le système animiste, il a opté pour le Christ. Changer de tout en tout, de la manière d'être, de la manière de... C'était plus l'homme qui incarnait une force et une autorité naturelle. Il l'a gardé, mais tout en étant d'une douceur absolue. Un homme qui s'est anéanti, qui a reconnu son grand péché et qui est revenu. Et lui-même, il nous en parlait, que la conversion, ce n'était pas juste se tourner, mais c'était vraiment un
retournement radical. Il a restitué sa femme dans sa dignité d'épouse chrétienne, etc. On l'a vu aller prier, accompagner sa femme et finalement entrer dans l'église. Au cœur de cette conversion spectaculaire, c'est le couple de Daphros et Cyprien qui vit une véritable résurrection. Elle était aux anges, ça se voyait, elle était très souriante. En fait, on voyait, c'était comme la récompense de sa patience. Son épouse, qui vraiment a connu le martyre du foyer, et son mari le savait, et il ne cessait pas de demander pardon. Et puis, ce qui a immédiatement changé de façon très claire, c'est que lui et Daphrosa étaient devenus inséparables. Lui, il disait vraiment que c'était comme une sorte de renouveau de l'amour. Et quand on les approchait, on voyait d'abord un immense amour, une très très grande tendresse. De ma vie, je crois que j'ai rarement vu un couple aussi intime, aussi avec une connivence, sans parole. On a vu papa commencer à aider maman dans les tâches ménagères, papa faire la vaisselle, on n'avait jamais vu ça. Sachant qu'avant la conversion, Cyprien pouvait bien rouler dans une belle voiture pendant que Daphrose marchait à pied pour aller au marché. Un jour, Cyprien, quand je le voyais, tellement attentif pour sa femme, et il a dit « j'ai perdu assez de temps et je rattrape le temps perdu ». L'impression que Cyprien Daphrose donnait comme couple, moi, je ne sais pas mieux le dire parce que je n'avais pas vu ça entre mon père et ma mère. Alors, quand je les ai vus, c'est comme si je disais « Ah, donc ce qu'on dit dans l'église est possible ». Le pardon de Daphrose est total, au point de faire venir l'enfant que Cyprien a eu hors mariage pour l'élever avec les autres. Pour eux, une nouvelle vie commence. La nouvelle vie de Cyprien et Daphrose est passionnément tournée vers le Christ. Ils s'engagent activement dans l'Église. La prière et les sacrements deviennent leur respiration. On a commencé à prier ensemble. On se levait tôt le matin, on allait à la prière. Bon, on faisait la prière le matin, on allait à la messe. Matin et midi soir, le chapelet ensemble, le rosaire. En fait, tout a été chamboulé. Et c'est là que je le voyais venir avec sa femme chaque samedi pour les confessions. Même les séminaristes ne se confessent pas une fois la semaine. Et puis il commençait aussi à s'intéresser beaucoup aux chants religieux, à composer des chants religieux à partir de l'évangile, à partir même de son intuition personnelle. Pourtant, cette vie nouvelle va être très vite marquée par les épreuves. À la fin des années 80, alors que les tensions politiques montent dans le pays, Cyprien est mis au placard de son emploi prestigieux et la famille part pour Kigali. Un moment très difficile pour Cyprien, pendant lequel il va vivre une expérience spirituelle étonnante qui va le marquer pour le restant de ses jours. Cyprien nous a partagé à quelques-uns. Ça a été très fort dans sa vie, c'est-à-dire qu'à un moment où il se trouvait en prière, il a eu comme si quelqu'un l'interpellait, et une voix vraiment qu'il entendait, à tel point qu'il s'est retourné, qu'il a cherché qui lui parlait, et qui lui disait je veux par toi, par ta vie faire une œuvre de rédemption. Et ça l'a beaucoup marqué, il l'a entendu 3 fois de suite, et ça s'est gravé en lui, dans son cœur. C'est à cette époque que le couple rencontre la communauté de l'Emmanuel au Rwanda par des volontaires de l'ONG Fidesco, dont Annick Bescon, une laïque consacrée, avec qui il partage immédiatement une grande complicité spirituelle. C'est donc dans un départ avec Fidesco, pour un temps de service auprès des malades au Rwanda,
que j'ai eu la joie de rencontrer Cyprien et Daphrose et de marcher avec eux pendant quelques années. Ils aimaient Jésus de tout leur cœur, de tout leur être. C'était vraiment des passionnés du Seigneur. Et ils voulaient servir le Seigneur, être témoins de son amour, justement de cet amour transpercé, miséricordieux. Et là, ils ont rencontré des frères et sœurs qui, avec qui ils ont compris qu'ils pouvaient vivre et épanouir cet appel. Et donc nous avons commencé à quatre, Basilissa, Cyprien, Daphrose et moi-même, des petites rencontres fraternelles tous les mois. Spiritualité eucharistique, louange, adoration, évangélisation. Cyprien et Daphrose trouvent dans la communauté de l'Emmanuel, fondée en France par Pierre Goursa, tout ce à quoi ils aspirent. En 1990, après un cheminement rapide qui les emmène en France, à Paray-le-Monial, Cyprien et Daphrose s'engagent dans la communauté de l'Emmanuel et fondent ainsi la communauté au Rwanda, dans un contexte politique très difficile. Je suis émerveillé par le fait que la communauté de l'Emmanuel naisse sans connaître les plans du mauvais ou de Dieu sur le Rwanda, naisse une semaine, 7 jours avant qu'une guerre éclate au Rwanda. Durant ces moments, je dirais, la haine, la méfiance va sortir des cœurs et puis va se manifester par la division, par les massacres des Tutsis. Je crois que Cyprien et Daphrose ont été des signes d'unité, que tout le monde venait à eux, venait dans la communauté, qu'ils soient Hutu, Tutsi, toi, et parce que c'était un lieu de paix, d'unité. Ça me surprenait toujours que c'était quelqu'un, et d'ailleurs les deux, Daphrose aussi, qui se préoccupait de chaque personne et de chaque membre de la communauté, mais personnellement. Comme moi, je me sentais vraiment aimée d'une manière particulière. Chacun, l'autre aussi se sentait aimé comme ça. Et puis, en fait, chacun se sentait aimé plus que les autres. Et plus on le vivait à travers eux, et plus on avait aussi envie de le vivre entre nous. C'est comme s'il nous entraînait aussi à vivre cette fraternité. Un peu avant sa mort, il parlait aux membres de sa communauté en leur disant, vous n'êtes ni Hutu, ni Tutsi, ni toi, vous êtes frères et sœurs. Vous n'êtes d'aucun parti, vous êtes du parti de Jésus. Depuis la conversion et entraîné par Daphrose, le couple s'est tourné vers les pauvres qu'ils essaient d'aider et de soulager. Pour soutenir les finances difficiles de la famille, Daphrose a ouvert un petit commerce au marché. C'est là qu'elle rencontre les enfants des rues, qui lui volent ses pommes de terre. Des enfants qui étaient tout sales, des enfants qui étaient battus, qui étaient pris pour des petits bandits, des petits délinquants. Mais elle a eu, avec son regard de chrétienne, elle a eu un regard plutôt de compassion avec eux. Elle a commencé à parler avec eux. Et puis elle s'est dit, tiens, ces enfants sont intelligents, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ils ont commencé tout simplement. 20 000 francs rwandais que son mari lui a donné. Et ils payaient pour que les enfants puissent se laver, puissent laver leurs habits, puissent être propres. Et puis elle prenait le temps de les écouter, de causer avec eux, et de leur montrer qu'ils étaient des enfants comme d'autres. Elle s'appelle Omar Madiambere. Elle est arrivée ici au centre en 2014. Il disait qu'il connaît la violence physique par son père. Il le frappait beaucoup. Quand les enfants arrivent ici, on les accueille, on fait l'écoute active aussi, individuellement. Parce que l'enfant est unique, il a son histoire propre. Comme il venait de passer les vacances, on a cherché pour lui une famille d'accueil. Alors je lui demandais comment les vacances sont passées. Donc il dit que c'était bien passé. Même il voulait y retourner. Il était content en famille. Souvent, quand ils arrivent ici, on voit qu'ils n'ont pas confiance à personne.
Mais au fur et à mesure qu'on leur donne l'amour, l'affection, parce que ce sont des enfants qui m'ont dit beaucoup d'affection, parce qu'ils n'ont pas eu l'affection. C'est, ce que j'ai vu, c'est que l'amour guérit. L'amour guérit. En 20 ans, le centre qui porte leur nom, fondé après leur mort, a accueilli près de 1500 enfants. Sortis de la rue, ils ont réintégré la société et parfois même leur famille. Entre 1990 et 1994, les tensions et violences montent dans le pays. C'est dans ce contexte que la communauté de l'Emmanuel grandit, entraînée par la foi brûlante de Cyprien et d'Afrose. C'est vraiment l'expérience de la première communauté chrétienne qui est décrite dans les Actes des Apôtres. C'était quelque chose d'extraordinaire. Surtout, les gens ont eu soif de venir dans la communauté parce qu'ils voyaient que Cyprien d'Afrose, il dégageait quelque chose qui donnait envie de vivre, qui donnait vraiment, qui donnait soif, qui attirait les gens. Ils avaient une proximité très forte avec l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'était, et le cœur de Jésus, les deux, c'était vraiment, d'après moi, le cœur de leur vie. Une fois, d'Afrose m'a parlé de l'adoration, en m'expliquant, parce que sa fille, est la dernière est venue, donc elle s'est mise sur ses genoux, donc elle a pris comme ça sur sa poitrine, et elle m'a dit, mais Xavierine, regarde, c'est ça l'adoration. Donc c'est être sur les genoux de Jésus, sur sa poitrine, seulement être avec lui. Là, on ne parle pas, mais l'enfant était là. Cyprien a appris que la communauté de l'Emmanuel évangélisait dans la rue. Alors, il a demandé de pouvoir le faire à Kigali. Et il a organisé la première évangélisation de rue. Nous installions un grand panneau avec un message, par exemple, « Dieu vous aime, Jésus est sauveur ». Et donc en grand, et puis nous commencions à louer le Seigneur, et les gens étaient attirés. C'était Cyprien Rugamba, donc une sommité du pays qui sort dans la rue pour évangéliser, c'était un acte d'humilité absolument extraordinaire. Au Rwanda, il y a justement un retenu qui est naturel, surtout des hommes. Voir un homme danser, chanter dans la rue, ça ne se fait pas, c'est contre la naturelle, contre la culture rwandaise. Ce n'était pas évident à faire. Une autre raison, c'est que la situation même où il y avait l'insécurité totale, il y avait justement des grenades, des bombes qui explosaient partout. Et c'était dans ce contexte qu'il fallait parler de Dieu. Heureusement que Cyprien était là. Cyprien, refusant les clivages ethniques et politiques, poursuit inlassablement son combat pour l'unité des Rwandais par ses chansons toujours plus inspirées de l'Évangile. Il était toujours tout aussi conscient d'ailleurs du danger que courait le pays, mais dans une dynamique beaucoup plus positive de convertir le plus de gens, d'appeler à l'amour. Dans les dernières chansons de Lugamba, l'amour revient systématiquement. Vraiment beaucoup de chansons là-dessus. Comme sans doute la vraie porte de sortie d'une certaine manière. Cyprien est arrêté à plusieurs reprises, car sa voix se fait de plus en plus gênante, alors que l'engrenage implacable de la violence s'accélère. Dans les derniers jours précédant leur mort, Cyprien et d'Afrose semblent s'y préparer. Vers la semaine sainte, là, Rugamba nous avait dit c'est bientôt, c'est bientôt. Faisons monter davantage notre espérance vers le Seigneur et prions davantage. Mais on savait que quelque chose de mal allait se passer. Alors, ils se sont préparés vendredi saint et ils ont préparé les enfants et toute la famille s'est confessée. Ils avaient des possibilités même de fuir le pays, hein, parce qu'ils avaient des connexions dans le monde entier. Mais je crois pour cette nouvelle communauté, pour cette nouvelle famille qu'ils venaient de fonder, ils sont restés
pour donner, et ils ont donné finalement leur vie à nous tous. Il y a eu des événements très étonnants la veille de sa mort. Il faisait une répétition de sa chorale et il chantait un chant sur la Jérusalem céleste. Comment j'entrerai à la Jérusalem céleste? Alors, on l'a chanté. Et puis, tout d'un coup, il disait, « Ah non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on rentrera à Jérusalem. » Alors, il leur a dit, « Je vais vous montrer comment moi j'entrerai dans la Jérusalem céleste. » Et il s'est mis à danser la veille de sa mort. Cette nuit-là, l'avion du président rwandais est abattu par un missile. C'est le signal de départ d'un immense génocide qui va plonger le pays dans l'horreur et dont Cyprien, Daphrose et leurs enfants seront parmi les premières victimes. Quand j'ai appris leur mort, c'était le 7 avril. Et ce qui m'a fort étonnée, moi qui ai une femme très fragile, je peux dire très sensible, je me suis étonnée que je n'ai pas pleuré ce jour-là. Et du coup, j'ai vécu le génocide en ayant cette force que je ne sais d'où. C'est comme s'il avait pris ma peur de mourir. Et puis quand j'ai entendu parler de ça, c'est comme... Donc le ciel est tombé sur moi. Et puis la nuit, c'est comme je me sentais vraiment angoissée, tout ça. Et puis quand je dormais un peu, c'est comme je voyais Cyprien. Il venait vers moi, il était souriant, content. Et puis il ne m'a rien dit, et puis il est parti. Quand il est parti, j'ai eu la joie. C'est comme c'était, tout est parti. C'est comme j'ai eu une autre force. Alors, je n'oublie pas ça. Pourtant, malgré la mort d'un tiers de ses membres, la communauté de l'Emmanuel, dont certains craignaient la disparition avec Cyprien et Daphrose, va croître dans tout le pays. Malgré les massacres, beaucoup de ses membres se retrouvent avec un désir renouvelé de vivre l'Évangile. La communauté n'a pas disparu, mais au contraire, elle a été témoin vraiment dès la fin des événements de paix et de réconciliation avec des missions paroissiales que les frères et sœurs ont eu le courage de donner. Il y avait toutes les ethnies, toutes les réalités possibles et donc on était en moyen de pouvoir témoigner que le Seigneur, dans la puissance de son cœur transpercé, avait vraiment la grâce pour guérir les âmes, pour guérir toutes ces plaies. Moi, ce que je peux témoigner, c'est qu'on a été aidés par Cyprien Daphrose, parce que chaque fois qu'il y avait un souci, on faisait une neuvaine à Cyprien Daphrose, et le souci résolvait automatiquement, sans... Donc on a été accompagnés, nous, en tant que responsables de la communauté, par Cyprien Daphrose, et dans notre prière. La communauté n'a cessé de grandir jusqu'à aujourd'hui, avec, c'est vrai, une réputation parmi tous ceux qui existent au Rwanda de légitimité parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de droiture, de comportement pendant les événements héroïques. Il y a eu Cyprien et Daphrose, mais il y en a eu d'autres, et donc qui touchent les cœurs. Aujourd'hui, il y a à peu près 1200 membres, et donc c'est la deuxième communauté la plus nombreuse, Emmanuel, dans le monde après la France. Plus de 20 ans après le génocide, des fruits sont visibles aujourd'hui dans l'Église, où de nombreux laïcs s'engagent et où les vocations sacerdotales et religieuses fleurissent. Au Rwanda, le péché a abondé, mais d'une manière inimaginable. Et la parole de Dieu se réalise. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et j'ai été bouleversée de voir la réaction de plein de frères et sœurs de communautés, mais aussi de chrétiens, qui ont su pardonner, qui ont su utiliser ce mal pour construire un plus grand bien.
Et là, j'ai vu l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas abandonné le Rwanda, bien au contraire. J'ai appris que cette photo avait été prise le 5 avril, juste deux jours avant qu'il ne soit massacré. Et j'aime beaucoup cette photo. C'est pas une photo triste. C'est une photo de ce bonheur retrouvé et que des gens qui se rencontrent dans de telles circonstances, qui font un mariage de raison finalement et qui finissent leur vie dans un mariage d'amour. Il y a quelque chose de très surprenant. Parce que la cohabitation, normalement, c'est l'usure. Et que là, c'est le chemin inverse. Tu vois, quand on est un couple, il y a des hauts et des bas. Et moi, en tout cas, je sais que le Seigneur a toujours le dernier mot. Et ce n'est pas dans les livres, c'est à travers une vie des gens que j'ai vus, des gens que j'ai touchés, des gens qui m'ont parlé. Daphrose toujours a eu cette vision, son mariage, elle y croyait. C'était un projet pour l'éternité. Elle y croyait, elle pouvait souffrir pour ça, elle pouvait donner sa vie pour ça, elle pouvait tout supporter pour que ce projet ne meure pas. Et à partir du moment où Cyprien est entré dans ce projet, parce que finalement l'éternité c'est avec Dieu, quand le ciel est entré dans sa vie et que toute sa vie a été tournée vers ce ciel, alors, je crois qu'à partir de ce moment-là, tout a changé. Une personne comme Cyprien, c'est vraiment un exemple de cheminement chrétien. Donc, on peut passer de toutes les étapes de la vie à la sainteté. Donc, quand ils sont morts, ils étaient vraiment des exemples de références pour pas mal de couples. Donc, la vie conjugale est un chemin de sainteté, de deux personnes et que chacun est appelé à aider l'autre à être saint. Pour moi, ce couple-là, pas seulement Cyprien, mais Daphrose aussi, ce couple, c'était, je peux dire, un sanctuaire de l'amour de Dieu. Quand je pense à eux, c'était voilà, ils ont aimé le Seigneur vraiment avec toute capacité d'aimer et ils voulaient aussi le faire aimer. Et ça me rappelle Saint Paul qui disait « Je suis tendu vers le Christ. Je suis tendu vers le Christ. » Voilà, c'est... Ah oui, il te donnait envie d'aller voir le Christ, quoi. Donc, j'en parle autour de moi en disant « Tiens, toi, tu devrais prier Cyprien et Daphrose. » Une petite histoire qui m'est arrivée à une femme à qui j'avais dit voilà la prière, je te donne la prière et puis tu peux prier. Elle avait une intention particulière. Et bien, elle a commencé une neuvaine et alors au milieu de la nuit du deuxième jour, elle s'est réveillée et elle me dit il y avait une femme noire dans ma chambre. Et j'ai reconnu, c'était celle de la photo. C'est magnifique. Et elle m'a dit, tu sais, je rêvais pas, c'était pas un rêve. Et Daphrose lui a dit une phrase qui pourrait être hyper précieuse. J'ai passé beaucoup de temps sans mettre les pieds dans une église. Je ne pouvais pas. Et je me suis surpris dans beaucoup de situations où finalement, où les choses me paraissent compliquées, où je n'ai pas d'issue. À les invoquer, finalement. Alors, je ne sais même pas ce que ça représente. Je sais qu'ils sont là, d'une certaine manière, et qu'on chemine ensemble.